Oh, salut tout le monde, c'est Dim Kawan et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après de longs mois d'absence. Donc ici, après l'achat du VR2, donc du PlayStation VR2, j'ai acheté The Walking Dead, Saints and the Sinners. Donc j'ai déjà platiné Horizon, on va essayer de platiner celui-ci. Donc allez, fini le bavardage, on passe à l'action, c'est parti. Donc on va faire une nouvelle partie, on va écraser le profil 1 parce que j'ai évidemment testé un petit peu pour voir comment ça allait. Oui, alors je vais le faire d'abord une fois en mode histoire et puis je le ferai tranquille en mode normal. Histoire. I'm ready. Suivant. Choix de la voix. Just another survivor. Choix des bras. Ben franchement, c'est les petits bras. On va prendre des bras un peu plus costauds. Hop, couleur de peau, on va prendre celle-là. Ou celle-là. Non, celle-là. Hop. Commencer une nouvelle partie. Donc, en début de partie, ce n'est que du dactyphiel, mais bon, voilà. Avant d'entrer dans le monde de The Walking Dead, vous allez devoir apprendre les bases du gameplay. Passez votre bras sur votre hanche gauche et saisissez la petite arme dans l'étui. Ça, c'est facile. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, et qu'on ne pouvait pas faire avec l'autre, c'est... Bon, je vous montrerai après. C'est qu'en réalité, le couteau, vous pouvez le lancer et jouer avec et tout. Hop, et l'arme. Voilà, ça c'est la base, quoi. Une petite hache. C'est marrant la hache parce que si vous la tenez pas à deux mains, vous avez comme s'il y avait le poids de la hache. Donc ça, regardez, elle part en avant. C'est bien fait en fait. Donc il faut bien la saisir à deux mains. Hop, sac à dos. Hop, on reprend le sac à dos. On va manger. Hop, puis. Le bandage pour se soigner. Hop, là, vous avez le journal des tâches. Sélectionnez une tâche dans la liste des tâches pour consulter les détails. Ça, on n'a pas encore. Là, vous avez la lampe de poche. Hop. Vous pouvez la secouer pour la recharger. Hop. Maintenant, au combat. Là, on démarre cool. Hein. On leur a coupé les bras. On empêche qu'ils vous mortent. Hop. Donc voilà. Je disais que vous pouvez jouer avec. Hop. Allez. On va vous le lancer. Clac. Hop. On peut le lancer en l'air. Hop. Voilà quoi. Donc je trouvais ça pas mal. Parce que dans les deux autres jeux que j'ai joué en VR, je ne pouvais pas le faire. Moi je leur saisis la tête, un petit coup, et puis j'appuie un peu plus. Voilà. Vous avez vraiment cette sensation d'appui. C'est vraiment bien fait. Ah, c'est la fameuse hache dont je vous ai dit. La hache par exemple. Si c'est compliqué quoi. Qu'à deux mains. Voilà, elle est stable. Là. Vous voyez comment vous êtes tombé à terre? Hop. Ah, évidemment, je vise comme un naze. Voilà. Alors maintenant ici, on va se raccrocher. Hop. On met le bras comme ça là pour la pousser quoi. Alors, ce que tout le monde attend, je suppose, c'est les armes à feu. Mais...
pour mes premières impressions, mes premiers pas dans le jeu, je peux vous garantir que j'ai eu plus facile les glaces. Ok. On met les munitions. X pour faire tomber le chargeur. Clac. Et on en reprend à nouveau. Et on engage. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Alors là, il me demande si je veux quitter le tutoriel. Oui. Are you sure about that? Il me demande si je suis sûr. Oui. Ah damn, would you look at that? Just remember, them walkers out there, je vous explique que les rôdeurs dehors ne sont pas comme ceux-ci. Et automatiquement, ça va être un petit peu plus compliqué. Quoi. Bayou de la paroisse d'Orléans, une semaine plus tôt. I'll be down. The tourist in the flesh. Touriste en chair et en os. On entend des tout le bayou. Word has even reached Nola. Je vais vous laisser lire. Yeah. But if the city is where you're headed, well, I suspect your story is just beginning. Here's a frontière de la ville de la Nouvelle-Orléans. One lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the big easy. There is a war brewing. The tower on one side, looming on the horizon, high and mighty. Spouting their all-for-one ideals and shunning any folks who don't be toeing the line. Those reclaimed renegades are on the other, making everyone's skin crawl with their horror show tactics. And the powder keg that's gonna make the whole city blow? The reserve. I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies. When the flood to end all floods hit in an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. Before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds, military-grade weapons, and ammo untouched, hidden. And guess who's close to unearthing the mother lode? That's right. You're looking at him. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. There would be a 50-50 split in your future. Ah. I ain't greedy, and I ain't no fool. Give it a ponder, tourist. Réfléchis bien, you just might be what this sinking city needs to keep its head above water. But then again, ouais, les éclairs sont super maybe bien faits, je trouve. To pull the whole godforsaken place under. J'oublie, on n'a pas de chargeur, on n'a rien. Voilà, c'est le jeu qui commence comme ça.
jour en fin de soirée. Traverser le cimetière, tâche ajoutée. Un ancien nommé Henri vit dans ce cimetière et m'a dit de le retrouver ici. Je l'aide à trouver la réserve qu'il partagera le butin avec moi. Ah donc. Hop, on va être parti. Hein. On va quand même prendre le temps d'explorer un peu. Donc, faut pas oublier de ramasser tous les objets qui sont ramassables. Parce que ça va nous aider à fabriquer différents nouveaux objets. Hein. Alors, ça, hop. On va quand même prendre ça. Ouais, Fifi. Laissez. C'est bien d'écouter. Brave chien. Oui, donc je l'ai mis dans un mode où les zombies vous entendent, en fait. Donc plus vous faites de bruit, plus ils vous entendent. Et si vous parlez, ils vous entendent aussi. Ah, Biloute! La petite caquette! Salut mon pote! Ah, dèche! Voilà, ça! Gamin, viens! Allez, viens ici! Une hache là, mais je la prendrai après. On va toujours aller ramasser ce qu'il y a là. A patrol had a scrape with a couple of reclaimed in Old Town yesterday. Cyrus got messed up pretty bad, but the savages paid the price. One of the corpses had this drawing on it. Look familiar? Doesn't bode well. If that little shit and her traitor mother are working with the reclaimed to locate the reserve, time is not on our side. No more fucking around. We prioritize their capture and we get that key back. I don't want Mama to worry, so keep this between us for now. Be cautious but aggressive. We stir the herd at 1700. Keep on the hunt till the last minute. The tower will always stand. Georgia. On va aller de ce côté-là où il y avait la hache. Hop. On va l'allonger. On n'a pas besoin tout de suite. Hmm.
Ce qui nous intéresse, voilà, c'est les objets comme ça. Hein. Hop. Voilà, directement rangé. Là, il y a un bandage. Ah merde, tant pis. Dommage. Il a voulu la garder, mais bon. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc ici, on a tout ramassé. On vient de là. Donc, on passe ici. On va l'allumer. On va la mettre comme ça. Ça éclaire quand même. Hein. Il n'y en a rien. Hop, une vieille chaussure. C'est bizarre parce qu'en VR, j'ai tendance à être gaucher, alors que normalement je suis droitier, ça c'est quand même, c'est louche quoi. Normalement il y a encore d'autres trucs, hein, oui. Hop. Bon, pour tout vous dire, j'ai été jusqu'au bus. Après le bus. La nouveauté. Ici, on va aller à droite. Pour ça, j'ai pas pris mon sac, moi. Merci. Ah, merci. Ah, les mecs, je devrais prendre le masque, là. Bon, voilà notre camarade, hein. Hop, ils l'ont attrapé, hein. Fool. Such a... damn fool. Oh, no more. Please. I can't... I take no more. Donc s'il te plaît, please, je n'en peux plus. Hop. Ouais, mon ami. Take it easy. I'm here. Heureusement, je suis là. No one is gonna harm you anymore. Now you show up. Oh, son of a bitch. Both sides. They came down on me. Same time. Slaughter. But I kept my mouth shut. He didn't get shit out of old Henri. Oh. Do me a solid. The bus. All I got. All I've done. Don't let it go to waste. I'm begging you. Help the kid. Okay, il demande d'aider un enfant et sa mère. Et de 50-50 avec le corps. Huh? They get mine. Understand? Donc il donne sa part. They're the only ones.
who deserve it. The rest? Drown the motherfuckers. Henri, who are you talking about? So long, waterfall. So long, waterfall. Ah, donc on doute bien, il est mort. Donc il nous dit de faire 50-50. Time to make an example of the old man. We have let his transgressions slide for too long. Okay, track him down, carve him up, hobble him a bit, but let him live. JB would like to have a chat with him. He thinks he might be connected to the voice popping up on the airways from time to time, and you know how JB feels about competition. All ears should be tuning in to the Reclaimed. Bon, on va pas le laisser comme ça, hein. Merde, je suis mis dans la bouche. Ah, le principal, c'est qu'il est mort, hein. Allez, au revoir, mon ami. Je vais aller protéger ton bus et je ferai 50-50 comme tu m'as demandé. Donc voilà, donc maintenant on va découvrir le bus. Je vais voir un petit coup d'œil, voir si je ne trouve rien, mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose ici. Donc voilà son fameux bus. Hein. Ça va être notre quartier général en gros. Traversée du cimetière, tâche terminée. Donc, on a une nouvelle tâche qui a été ajoutée donc au carnet. Mais, ce sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis, à la prochaine. Ciao, ciao.